Bonjour, donc je suis Bernard Liénard, donc du showroom Tuba donc chez SML. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Tuba, donc le TU600 SML Paris. Donc c'est un tout nouvel instrument qui a été fait, donc réalisé il n'y a pas très très longtemps, suivant un cahier des charges assez précis. Donc c'est-à-dire qu'il manquait dans la gamme un peu des tubas, donc un petit tuba donc compact, léger, donc très facile d'émission, avec un son quand même très très ample, voilà. Donc là, le système a été fait donc telle sorte à ce qu'on puisse donc avoir toutes ces caractéristiques. Donc la branche d'embouchure, vous voyez là, qui va directement dans les pistons, donc ce qui a pour effet d'avoir des émissions vraiment très très précises. Et là, donc, du fait d'avoir cette branche d'embouchure directement donc, dans le premier piston, ça donne une facilité d'émission donc, beaucoup plus importante. Tout le bloc de piston là, a été revu. Ici, c'est un bloc vraiment très très nouveau avec des petits pistons. On a toujours tendance à avoir des gros si bémols avec des pistons énormes, donc ça ne facilite pas le jeu. Donc là, par le fait d'avoir des pistons très très petit, enfin beaucoup plus petit que la norme, donc ça donne une impression de vélocité et une souplesse de jeu. Une perce de 17,5 et donc le tuba par lui-même vraiment très 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 léger, hein. Il fait 6,2 kg je crois, donc à peu près. Un pavillon de 380, donc très très évasé, et une grosse culasse justement pour donner un son vraiment très 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 ample. Hein. Donc vous voyez, ce tuba permet vraiment de jouer dans des registres très très larges, un piano vraiment très très velouté, et le forte vraiment très 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 précis également, et ça sur toute la tessiture. Bref, c'est un tuba vraiment très très agile et que l'on peut utiliser dès le plus jeune âge. Parce que bon, le problème pour nos instruments, c'est donc d'avoir des instruments adaptés aux enfants, disons aux enfants, aux adolescents, à 13-14 ans. Et c'est vraiment le type d'instrument donc, qui peut être joué donc, très 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 tôt. Aussi, donc, on a trouvé un alliage donc, vraiment spécifique qui vraiment permet qu'il y ait une vibration très tôt lorsqu'on souffle. Vous voyez, le métal vibre tout de suite. On arrive à avoir une vibration très, très précise dès l'émission du son, ce qui donne une rondeur donc, inégalée pour l'instant. Voilà, donc merci de m'avoir suivi, puis à très bientôt donc, pour des prochaines présentations d'instruments.